L'ASE, African School of Economics, c'est une école qui a été créée en 2010 et qui a ouvert ses portes en 2014 avec deux programmes de master, mathématiques, économie et statistiques, administration des affaires, finance et management. Cette année, elle a ouvert trois nouveaux programmes. Un programme en administration publique, relations internationales et administration, et un programme d'études en développement, histoire économique et sciences politiques. L'ASE a reçu le professeur Justin Lin, qui est l'économiste en chef de la Banque mondiale et qui est retourné en Chine pour former ou mettre sur pied des centres de recherche à l'intérieur de l'université de Pékin. Il a créé un réseau international de recherche dans le domaine de l'économie de développement, économie transformation structurelle, dont l'ASE est l'un des partenaires principaux, quoi. Voilà. Donc c'est dans ce cadre qu'il est arrivé au Bénin pour une visite officielle. Donc, il a rencontré le président de la République, rencontré un panel des membres du gouvernement. Et après cela, donc, il est venu rencontrer le monde universitaire. Avant l'université de Bamako, il est passé ici pour rencontrer les étudiants. La rencontre s'est très très bien passée. Les étudiants comprenaient très bien de quoi il s'agit, lui ont posé des questions très très pertinentes. Benin has many advantages to, carry out this transformation because you have people who are very intelligent, work very hard. You have peaceful social political system. You have geographic, statistical, position that you can reach global market easily. C'est ça. Donc, il y a trois points qui constituent l'avantage comparatif du Bénin. C'est un pays stable, politiquement prospère. C'est également un pays dont la position géographique est adéquate, donc elle n'est pas isolée. Et le troisième, c'est que le Bénin a un capital humain très important. And now you have the political determination to mobilize all the favorable factors to contribute to the transformation in the country. C'est ça. Et en plus, c'est qu'actuellement, il y a une détermination politique, il y a une volonté politique d'utiliser ces avantages comparatifs pour la transformation économique du Bénin. And I think that with a common vision and a common effort, the dream of prosperity can be realized. C'est ça. Donc, avec la coordination, avec la volonté et la coordination internationale qui se développe, la transformation radicale de l'économie, sortie de la pauvreté pour la prospérité, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec la génération actuelle. My visit to African School of Economics because I understand this is a very powerful, dynamic new institution, and I'd like to visit my friend here and to strengthening our collaboration in the future. Il veut également explorer une collaboration étroite entre l'African School of Economics et l'Université de Pékin, en même temps que les autres universités chinoises. Donc, le professeur Lin et moi, on se connaît depuis longtemps, et donc, nous allons pouvoir renforcer les liens que nous avons, donc pour le bien du développement de la pensée économique, non seulement au Bénin, mais également en Chine. Ça nous a permis de savoir un peu les challenges qui attendent l'économiste de demain. Ça nous a permis de savoir aussi comment l'économie va dans le monde entier, parce que le professeur Justin Lin, c'est un homme de grande expérience. C'est une chance pour nous, les jeunes, de recevoir cette séance-là à African School of Economics. Et ce qui m'a ravi aussi, c'est la promesse de partnership désormais entre son institution et African School of Economics. On va accorder nos violons pour faire quelque chose de beau pour l'Afrique entière. Today's program was really elating because I got to see one of the best economists from China, Justin Li, a structural economist who opened my eye to a very rare and different domain in economics. And I feel it's more enlightening than what we are used to, you see. So I think African School of Economics is really doing great, bringing international names to our very own house, our very own small place. So it's wonderful. Le African School of Economics, en formant les jeunes, en formant les économistes dans le standard international,
peut jouer un rôle important dans la définition et la formulation de ces idées-là qui vont permettre de transformer le pays sur le plan économique.